C'est toi, si tu attends le jeu Clash Royale avec impatience, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo informative sur Clash Royale. Je vais vous un petit peu, dans cette vidéo, vous dire quand on va sortir le jeu sur Android, sur iOS en France. En tout cas, voilà, quand il va sortir en France. Parce qu'il y a pas mal de rumeurs comme quoi il sortirait la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois, ou on ne sait pas trop en fait. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'annonces. Que ça soit sur leur compte officiel Twitter, ou sur Internet, ou sur les forums, il n'y a pas beaucoup d'annonces de dates précises pour ce jeu. Alors il faut savoir déjà que ce jeu est toujours en bêta actuellement, donc il n'est même pas sorti. Alors on va commencer tout de suite avec un petit screenshot que j'ai pris, que je vais vous mettre à l'écran maintenant. Donc voilà, un petit screenshot en fait, d'un commentaire, si vous voulez, d'une personne, sous la vidéo de Vosketal, donc qui faisait une vidéo sur Clash Royale. Et puis, je voulais vous sortir donc une vidéo pour savoir quand allait sortir le jeu. Et là, vous pouvez voir le commentaire où en fait il dit bah, tous les jeux de Clash of Clans, enfin tous les jeux de Supercell, pardon, qui sont sortis. Il évoque un petit peu en fait la date quand est-ce qu'il est sorti sur iOS, puis ensuite quand est-ce qu'il est sorti sur Android. Alors il faut savoir que Hayday par exemple, je crois qu'il n'était pas en méta, mais par exemple Clash of Clans était en méta d'abord, et puis après Boomitch aussi, il me semble. Donc voilà, Boom Beach, vous pouvez voir en bas, sorti en bêta le 11 novembre 2013, et il est arrivé rapidement au niveau global dès le 26 mars 2014. Alors en fait, je vais un petit peu m'appuyer sur ça. Il n'y aura pas comme screen. Vous allez voir qu'il va y avoir un autre screen où je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant qui va peut-être donner un petit peu plus d'espoir à ceux qui le veulent, le tester, le voir, vous jouer à ce jeu tout simplement. Très rapidement. Alors vous pouvez voir donc que Hayday par exemple est sorti le 21 juin 2012 sur iOS, et qu'ensuite plus d'un an, quasiment presque un an et demi plus tard, il est sorti sur Android, donc en novembre 2013. Donc voilà, un an et demi plus tard. Donc on va voir un petit peu d'autres jeux. On a par exemple Clash of Clans, donc Clash of Clans qui est sorti sur iOS d'abord en août 2012, et puis donc c'était en bêta. Alors il est sorti donc sur iOS en normal, après en bêta sur Android le 30 septembre 2013, donc c'est un an après, donc c'est une bêta mais c'est quand même, voilà, un an après quand même. Et après il avait eu droit à sa sortie officielle sur le Play Store uniquement le 7 octobre 2013, donc c'est à dire un mois après la bêta sur Android. Donc en gros ça prend à peu près un an pour Clash of Clans. Donc voilà, un an et demi pour Hayday, un an pour Clash of Clans, et pour Boom Beach, donc voilà, sorti le 11 novembre 2013 en bêta, donc sur iOS, et il est sorti le 26 mars 2014, donc voilà, pareil, quasiment presque un an et demi après, sur toutes les plateformes. Donc vous pouvez voir déjà que tous les jeux qu'on connaît aujourd'hui de Supercell sont sortis quand même en bêta, puis après un an et demi à peu près, sont sortis à peu près sur toutes les plateformes. Donc j'espère qu'on l'aura pas, enfin que vous l'aurez pas, parce que je l'ai actuellement le jeu, je peux le tester. Mais j'espère que ceux qui sont sur Android et sur iOS France et qui peuvent pas avoir de compte canadien pourront le tester si possible assez tôt, parce que c'est vrai que dans un an et demi, sachant qu'il est sorti en janvier 2016, si on doit attendre un an et demi, c'est-à-dire on va dire juin 2017, ça fait quand même relativement beaucoup de temps, ou on va dire peut-être mars-avril 2017, ça fait quand même beaucoup de temps. Donc voilà, peut-être une date qui pourrait être pas mal, peut-être voilà, mars-avril 2017 pour ce jeu sur toutes les plateformes, ainsi que donc Android. Mais comme je veux vous offrir une autre version, je vais vous montrer notre screen. Donc voilà, le voici. Donc c'est un screen d'un site, hein. Et en fait, si vous voulez, ce site dit va un petit peu vous dire quand va sortir le jeu. Alors là c'est pareil, ils nous disent Hayday est sorti le 21 juin 2012 sur iOS. Il n'est arrivé sur Android que en novembre 2013. Donc voilà, il nous dit pareil, un an et demi plus tard. Pareil pour Clash of Clans, pareil pour Boom Beach. Et donc là, à la fin, il nous dit, si on se base sur ces délais entre sortie en bêta sur iOS le plus souvent et la sortie mondiale, il y a de quoi nourrir de l'espoir pour Clash Royale. A chaque nouveau jeu, Supercell a en effet amélioré ses temps de développement. C'est-à-dire que premier jeu, c'était un an et demi. Deuxième jeu, c'était un an et 3 mois, je crois. Et là, c'était quasiment un an et 2 mois. Donc c'est vrai, ça se réduit de plus en plus. Donc là ils disent, alors qu'il lui avait fallu un an et demi avant sa sortie, avant de sortir pardon, sur son premier jeu sur Android, le tout dernier n'a imposé à ses joueurs qu'une attente de moins de 6 mois. Donc ça c'est pas ça, si on compte pas la bêta,
C'est un an, mais si on compte la bêta, ça fait quand même relativement beaucoup de temps. Tout de même. Donc voilà pour Boom Beach. Donc voilà, la bêta est arrivée le 11 novembre 2013. Et le jeu est sorti le 26 mars 2014. Donc c'est vrai que c'était un temps relativement plus faible, moins élevé que les autres jeux, par exemple Clash of Clans ou Hayday. Et bien donc comme il dit, si on compare, donc il dit que ça c'est dû au niveau de une meilleure organisation des équipes. Et donc une sortie des jeux plus rapidement, c'est-à-dire que, que vu qu'il y a plus d'équipes et il y a plus de personnel, le jeu se produit plus rapidement. Et donc à la fin, il dit si tout se passe bien et que le développement de Clash Royale progresse continuellement, on devrait avoir droit, pardon, à une sortie officielle dans 3-4 mois, aux environs du mois d'avril. Alors c'est possible que ça soit au mois d'avril peut-être. Après peut-être plus tard, peut-être pour les vacances d'été, avril, mai, juin, c'est vrai que juin ça fait un petit peu tard, juin, juillet ça fait même un petit peu tard, mais après c'est vrai que s'il arrive en avril ça serait vraiment pas mal. Mais donc comme vous voyez il y a un petit peu un sens croissant au niveau des bêtas et ensuite au niveau du jeu officiel. Hayday ça a pris un an et demi, Clash of Clans un peu, à peine un peu moins d'un an et demi, et Boom Beach 6-7 mois, donc c'est vrai que ça peut sortir assez rapidement. Donc ça c'est à voir pour les prochains jours. Là c'est vraiment une vidéo où je vous guide un petit peu, où je vous dis quand on va sortir le jeu par rapport aux autres jeux. C'est un petit peu en fait une probabilité. Je pense voilà peut-être qu'il va sortir en avril, mai. Là il dit voilà avril, mars, avril, mai, juin, juillet peut-être. Donc voilà c'est vraiment une probabilité. Mais d'après ça, je pense qu'il devrait plutôt sortir vers juin, juillet. Mais bon après je vais pas trop m'avancer parce qu'on n'a pas de date officielle de la part de Supercell. Mais en tout cas voilà pour ce qui est de sa sortie. J'espère en tout cas qu'il va sortir le plus rapidement possible pour qu'un maximum de gens y jouent, d'une part. Et d'autre part pour que la plupart des personnes ne soient pas retardées. Parce que c'est vrai que ceux qui sont sur Android, ils ont beaucoup de retard par rapport aux autres. Parce que là, les gens arrivent déjà à 4000 trophées sur le jeu. 4000 trophées c'est quand même pas mal. Et donc là il va faire une mise à jour pour arriver jusqu'aux 5000 trophées. Donc c'est quand même assez énorme pour un jeu qui vient d'être créé il y a même pas un mois. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a informé. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter et à partager cette vidéo. Allez, salut à tous!